Salut YouTube, on va terminer avec l'arène, on peut recommencer à divaguer dans le jeu. Oh c'est fou. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Air d'être en haut. Faut parler à qui? Nouvelle quête, d'accord, mais où? Hein? Ah c'est là-haut. Comment on monte? Par là. Faut que j'enlève ça, là, c'est stressant. Bonsoir madame. Mais Yara, on te déteste toi. Birds don't provide much conversation. That's for sure. How are you doing, Aloy? Well, better than you, I think. At least I'm not chatting with animals. What's wrong? Meat here flew in yesterday with this in its beak. It's a cord that the Tanakh children use to carry their training swords. The kind of thing one of our young doesn't lose unless something bad has happened. I checked around. Turns out a kid is missing. Wandered off the day before last. Search parties turned up nothing. Gotta tell you, I'm not in the mood to lose one of my people. Especially a child. Let me see that thing. There's a bit of quartz on here. It's probably sand, some dirt. And clay, with a red hue. Sand, dirt, and red clay? I know a spot where all three meet, just south of the settlement. Will you meet me there and help check it out? Maybe use that relic of yours. The way things have been going, I can't trust this to anyone else. I'll get there as soon as I can. I can always count on you. Sounds like you're always feeling isolated. Mais du coup, si on avait sauvé l'autre, à la place de Yara, il nous aurait donné cette quête-là aussi. Des réponses que nous n'aurons probablement pas. Ok, allons-y. On va y aller à pied. Nous permettre de débloquer le feu. Débloquer ce feu là au passage. Le feu. Faudrait que je refasse le plein de soins. J'aurais pu refaire le plein de soins alors que j'étais à côté de mon coffre. Mais j'ai décidé que non. On va sauvegarder aussi, ça fait un moment qu'on n'a pas sauvegardé. Profitons-en. Ça coûte rien, ça fait plaisir. Could you assist us with these chargers? That doesn't mean you can stop fighting us! We're not out of this yet. That's right now, Dallas! Now we have a chance! Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut les tuer? Moi je veux bien, hein, mais... J'ai 15 points de compétence à dépenser. C'est à cause de l'arène, ça. J'ai pas vu, j'avais pas vu. C'est horrible. Faut qu'on les dépense quoi. Alors ça a commencé à se voir. Ok super. Changeons rien. Parfait. C'est bon, on a fini? Oh, elle a une quête. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Vous parlez du coup? Quel bordel. Hatokto, this must be the Nora who defeated Regala at the Grove.
That doesn't mean she's an ally. That's pretty much exactly what that means. And we've enough to do chasing down these Regala zealots without picking fights with Nora warriors. Regala's desert Tanakh. We should be fighting alongside her instead of sitting this out. Regala has forgotten her duty and let her anger at the Karja draw us into. We will speak about this later. You fought with courage. Ils sont politiquement pas d'accord, je crois. Feel free to go on to the grove, Nora. Ok, merci. Vous n'avez servi à rien. Ok, il nous faut du soin là. On commence à être useless niveau soin. Yara should be around here somewhere. I need to help her look for that missing kid. Oh, t'inquiète. On va chercher le missing kid. On va la voir. Elle est coureuse. Yara should be around here somewhere. Avant de faire ça, attendez, on a 18 points de compétence. Faut qu'on améliore les trucs de trappeur là. Fabrication facile, ça aurait été plus utile, je pense. Furie élémentale. Augmenter les charges des effets des attaques élémentales, tant lui une résistance aux dégâts élémentaux accrus. Ça peut être force. On va le débloquer. Durée de la nourriture, on s'en fout un peu. Câble rapide, je sais pas. Fabrication facile. Corde pénétrante. C'est quoi, corde pénétrante? Là, n'importe quelle partie d'un ennemi, dont son armure. Ah, c'est bien ça. Ça, il nous le faut. Câble rapide, lancer rapidement un piège à câble du type sélectionné avec une longueur prédéfinie. Câble explose et se désactive après un certain laps de temps. C'est pas mal ça en vrai. La fabrication facile. Trappeuse rapide. Bon, en vrai on va débloquer tout l'arbre, hein, j'ai l'impression. Trappeuse résistance, on va prendre moins de dégâts avec les pièges, c'est incroyable. Voilà! Ça fait plaisir. Allez là-bas. Je t'ai vu, Yara. I handle this, mais personne nous a vu encore, calme-toi. Il y a des ravageurs là-bas, je crois. Je voulais du soin, mais c'est bon, j'en veux plus. Yara, je suis là! So, here we are. Sand, dirt. On me voit plus. J'avais pas vu. Just like you said from looking at that child's cord. Maybe you could use your relic. See if he was here. D'accord. Start where Meat is. When she gets squawking like that, she's usually onto something. C'est sérieux, hein? Okay, I'm on it. Il est intuable, l'oiseau est intuable. Small footprints. Fangs, but the tracks lead away from here. Yara, I found a trail. Might be the child. Really? Let's go. L'oiseau est immortel. You said you couldn't trust anyone. What's going on? With Draka out of the way, I thought there'd be peace for a while. 2 days ago, I had to put down another upstart. He thought I should have sided with Regala. How many more do I have to kill? When does it end? Good question. Je sais pas. Je sais pas, Yara. You know your people better than I do. But I have noticed that killing leads to more killing. I was annoyingly impatient at your age too. Yeah. But should it be? Faut les noter. Notre quête secondaire. Peut-être en rapport avec le. Le grand coup. Ok, c'est pas mal, on s'est refait niveau soin. On est là. Bonsoir. Bonsoir. Oh, elle est fumée.
Protéger l'enfant, moi je veux bien, mais elles sont les machines. OMG! Oh no. One of these things. Brace yourself. Non, j'ai pas signé pour ça, moi. Du coup, il faut de l'acide. L'acide hyaluronique. Okay. Je sais plus à quoi ça sert, cette flèche. Ah, c'est les flèches ciblantes. Ça a donc aucun intérêt, vraiment. On lui fait un peu de dégâts, quand même. Oh, l'abeille. Bonsoir. Mort. Littéralement dead. Chlorhydrique, c'est mieux, ça truc. J'aimerais avoir de l'acide chlorhydrique, malheureusement. C'est pas la... C'est pas l'ambiance, là. Bon, en vrai, on fait du dégât, mais on pourrait en faire plus, quoi. Oh, je suis bloqué sous l'aile. Voilà, voilà pourquoi ce jeu, des fois... Il me donne envie de m'arracher les cacahuètes. Après, il est extrêmement sympa. On va pouvoir le cheese un peu avec la carcasse, là. Ok. Ça, c'est bien. Aux fleurs du désert, un peu. En vrai, elle est cool la tenue, non? Vous en pensez quoi? Moi, je l'aime bien, ma nouvelle tenue, là. Je suis amoureux de la tenue. Oh, là, il est bien. Là, il est très bien. Faut plus qu'il bouge. Ok, très bien. Là, on est vraiment en train de le foutre à poil, donc c'est cool. J'aime assez l'idée. Bon, maintenant le truc c'est qu'il faut aller récupérer ses armes pour vraiment le fumer. Il faudrait qu'il bouge un peu, quoi. Ce serait bien de faire ça, je pense. Voilà, ça c'est bien. C'est vraiment ici qu'il faut taper. Oh merde, vraiment pas là. Alors là, vous voyez, là où j'ai tapé, bah c'est pas ça. C'est là. C'est pas là. Plus là. J'arrive pas à taper là où je veux. Je sais pas si ça se voit. J'ai pas tapé là où je veux, mais ça doit le toucher normalement. Ouais, c'est bon. J'ai plus de pâte explosif. Oh, son arme, il y en a deux. Alors, il y en a une là. Non, ça, c'est le radar. Va-t-il courir après? Ok, très forte cette arme. Très, très bien. Il y en a plus. Où est son autre lance-disque? Probablement quelque part. Il me semblait l'avoir fait tomber par là. Oh, il y a un truc de ravageur là. C'est bien ça. Pas mal ça. Vite, ramasse. Yeah, très bien. Je me suis pas fait toucher par ça, je sais pas comment j'ai fait. Où est sa deuxième arme, en fait? Elle est là. Aïe, oh, ça fait mal. Hein. Pas là du tout. Je vais mourir si je reste là. C'est discret. C'est pas ça, là-bas? Je pense que c'est ça, là-bas. Elle est vraiment tombée loin.
pensais pas. Je vais mourir. Je vais mourir parce que je fais de la merde, je cours et je regarde pas où il est. Putain, il est tombé loin. Hein. Pas mal. Il y a un invité surprise. Encore? Il y en a deux, il y en a un deuxième qui arrive. Non mais c'est sérieux? Non, ils abusent. Cette quête est impossible. Non, c'est abusé, c'est abusé. C'est pas possible de finir ces jeux. C'est quoi cette quête? Impossible. C'est dommage, hein. C'était presque possible de finir le jeu. Après, il reste loin, donc ça va. Reste par là, c'est ok. Ouais, il est plus par loin, il est plus loin maintenant. Oh, vraiment ? On est en trouble, tu penses? Je sais pas de quoi tu parles. Je trouve qu'on maîtrise vraiment la situation, là. Ouais, ça, c'est chiant, en fait. Faudrait... arrête d'avoir ça, en fait. Tant que l'oiseau attaque pas, c'est parfait, mais je sais pas où est l'oiseau. Il est là-bas. Ok, il nous veut du mal, c'est bon. L'oiseau ne veut du mal. Voilà, l'oiseau ne veut du mal. Je suis bloqué. Faut rien faire. T'es allergique à quoi l'oiseau? J'aime pas trop ça. Et comme Michel, t'aimes pas trop le corrosif. Non mais c'est trop dur. J'abandonne pas le fight, j'ai besoin de fumer Jean-Michel. Oh super. Ça, quel plaisir, comme je vise bien. Je vise trop bien en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais en fait, il l'a plus. Je suis bloqué dans les débris. Littéralement bloqué dans les débris. Ok. Champion du monde au moins, tu penses? Je pense que ça va le faire en vrai. Ça va être long, mais ça va le faire. Dit-il en mourant. Non, je vais mourir en vrai. En vrai, je vais mourir, ça va pas le faire. Au moins essayer d'en fumer un et on verra l'autre. Déjà, si on en avait qu'un. Je suis mort, je pense que je suis mort. Bois? Bois? Je t'en supplie, bois. Merci. Je sais pas ce qu'elle fait en fait là. Elle est en train de faire des trucs, mais je sais pas ce qu'elle fait à l'œil. J'ai une altération, je sais pas ce que c'est non plus. Mais j'ai confiance en elle. Hein. Il est vraiment à 2 PV de mourir et il veut pas. Voilà. Ok, très bien, j'aime bien. Faut que je trouve du soin. Sinon, je suis mort. Faut que je trouve du swing. C'est la mort si je trouve pas de swing. Okay. Il est où? Je sais pas où il est en fait. Il est sur ma gueule, voilà où il est.
Et elle est où l'autre? Elle est morte, faut aller la sauver. Je suis bloqué sous l'aile. Let's go. Elle est morte là, quoi. J'en ai marre de ce jeu. J'en ai vraiment marre. Ok, Vera. Sert à quelque chose. J'ai un tronc cérébral lumineux. Mais en fait, tu peux le récupérer sur plein de trucs, le tronc cérébral lumineux. Juste que c'est des trucs qui sont sur des animaux durs. Je sais pas comment le battre en vrai, lui. J'adorerais le fumer, mais je sais pas comment faire. Je sais pas où il est déjà. Okay. I'm in trouble. Je sais. Je sais que t'es en trouble. Je pense que je meurs. Il me faudrait des armes. Y en a plus qui traînent là, sur le champ de bataille. En fait, quand il charge, on l'entend pas. Donc c'est extrêmement chiant. Ok, cette attaque là, elle est bien. N'hésite pas à continuer de la faire. Voilà, tiens, prends un peu d'acide. Non, je vais t'exploser un peu la gueule. C'est faux, j'ai menti, je veux pas t'exploser la gueule. J'ai plus de potions de santé, je suis mort. Je pense que je suis mort. Y'a plus le choix. Qu'est-ce que je peux faire pour le battre? Rien. Hein. Pas de choix, hein. Oh ouais, bouge pas. J'aime pas le placement. Oh, y'a pas une petite potion là-dedans? Y'a des potions. Je viens de regagner un peu de survie. Du coup, ils volent plus, là. Je crois qu'il a décidé d'être sympa. Ok. Pour une raison inconnue. Ça marche de faire ça. Il fait zéro dégâts. C'est bien de tenter, hein. Pourquoi il revole d'un coup, là? Personne n'aimait quand tu volais, bro. C'est bien ça. Dommage, t'es trop loin. Mais alors peut-être un petit coup critique avant. Parfait. C'est vraiment dommage que personne ne t'aime. Faut le re-acide chlorhydré. T'es où? Il est loin. Putain, tout ça pour un gamin, quoi. C'était mon gosse, hein, je lui mettrais une de ses rousses en rentrant. T'as raison. Toujours aussi bon. Aujourd'hui, c'est mitigé, Echo. Est-ce qu'il est bon? Il y a... Oh oui. Oh, je suis trop fort au jeu. Il y a un débat sur est-ce qu'il est toujours aussi bon, là. Des fois c'est bon, et des fois j'ai envie de me bouffer les couilles, Ekoman. Je te cache pas que la frontière est assez ténue, là.
Voilà, par exemple là, quand il y a un oiseau géant qui me bloque sur une... Bon, ça j'ai attaché là. Mais sinon c'est pas mal. Mais là le jeu il a décidé d'être très dur aujourd'hui. Alors le jeu a décidé d'être chiant aussi. Je suis en vie max, je sais pas où il est. Et il veut sauter. Bien. Très bien. Il peut arrêter de voler, il est où? Ah il refait, ok. Je vais péter un câble. Il refait encore? Il connaît que ça? Moi, je m'en fous, je me cache avec le gamin. Hein. C'est bon, tu peux arrêter? Mais il refait, il spamme l'attaque. Il a bugué. D'accord, il m'a eu à travers, donc forcément, ouais, super. Super jeu, ouais. Super jeu en vrai. En vrai, bien votre jeu, là. J'ai cru que ça allait pas l'avoir. Enfin, l'avoir. Qu'est-ce qu'il fait? Avec le gamin. Mais c'est impossible de l'avoir s'il fait que ça. J'ai pas de chance, hein. On est moyen sur la chance, là. Je peux pas l'acidifier, je peux rien faire. Donc ouais, c'est casse-couille. S'il te plaît, acidifie-toi. Voilà. Il est sérieux. Est-ce que c'est chiant? Est-ce que c'est au moins des sérieux? Pas sûr. Hein. Heureusement que j'avais des ressources avant d'arriver là. 198, c'est pas mal. En fait, faudrait arriver à voir son cœur là. Oh, y a des carreaux perforants en vrai. Bon, on va tenter, hein. Moi, je tente des trucs, hein. Ça fait du dégât. Ok, il a pas l'air d'aimer. D'accord, ça touche pas aussi loin. Prendre des carreaux normaux. Ça va, petit enfant? Tranquille, tu t'amuses bien? Ça va, rien foutre, là. Il y a un ragoût local. Vas-y, je le prends. J'ai des bombes acides. Elle m'a vraiment donné des bombes acides? Oh là, bro. Vas-y, on va le re-acidifier. Qui viennent par contre. Je sais pas où il est. Vous le voyez? Pas moi. Il est là. Il arrête pas de disparaître et de réapparaître. Dirait mon père. Mais c'est pas où je suis. C'est caché. Parfait, il a acidifié.
Let's go! Fabriquer un filet pour le bloquer. Oh, j'adorerais, hein. Après, en vrai, pas le filet, mais je pourrais le plaquer au sol avec les... Ah, c'est pas mal de faire ça. Oh oui! Il est mort. Croyant vos rêves. Pas sûr qu'il soit mort au final. Aussi peut-être un dernier coup. Let's go. Oh, c'était dur, hein. Cette quête de mort. Je m'attendais pas à avoir à faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment eu des combats durs. En vrai, si on a survécu à ça, un T-Rex et un gros oiseau en même temps, un oiseau tempête, on peut survivre à tout. Je vous le dis, le jeu, il est déjà fini. Là. Bon, par contre, j'ai plus rien. Bah voilà, trop facile le jeu. Des bombes acides. Ah, mais elle m'avait donné plein de trucs. Et on va bien penser à looter les grosses bébêtes là. Mais elle m'a donné plein de bombes acides en fait. Là, bro. Et là, je meurs. Et là, le jeu crash. Je pense que je peux pleurer si le jeu crash. Ça fait longtemps que j'ai pas pleuré, mais je pense que je peux le faire. Comment il a fait le gamin pour venir se mettre dans un bourbier pareil? Je crois que j'ai tout récupéré. Ouais, il y a encore des trucs. It's okay. We'll get you back to base as soon as I catch my breath. I thought I was dead for sure. J'ai pas vu la lume verte. Je pense qu'on a tout récupéré. En tout cas, on a fouillé les bestioles, donc c'est le plus important. Super. Finissons cette quête de mort. Ta quête était trop dure. Au secours. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste aller sur une hunt. And then the machines chased me, and... Hush. You're safe. Just give me a minute with my friend here. Then I'll take you back to Scalding Spear. Thank you, Commander. At ease, soldier. Those machines would have finished me if you hadn't been here. The kid's okay. That's all that matters. Yes. His parents will be glad to have him back. His squad, too. It's nice to save a life instead of end one. The desert kills, it's true. But every now and then something blooms from it. I'll think about what you said. I'm just glad I could help. About that. Take this. You deserve it. You found the child. Well, you and Meat. What a team. Stay safe, Yara. And you as well. J'ai un lingot d'or. My arm hurts. Un niveau 32. Insane. C'était dur. C'était vraiment vénère. Hein. Et donc c'est un site de gueule d'orage ça. Bah plus jamais.
C'est un site de gueule d'orage, mais il veut pas me le compter. Il me dit que c'est inconnu. Je marche littéralement dedans. Je vais tout casser, en fait. Ok. Faut qu'on aille voir les Jean-Michel de la quête, là. Tant qu'à faire, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Je pense que ce sera en rapport avec le grand coup. You gave us all a scare. J'ai pas de pâte explosive, je sais pas comment on en récupère. Moi aussi. Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez? What are you doing out here? Ask my grandmother. I risked leaving guard duty to look for her. She stopped to see the bloom and now she won't leave. Since when does she care about flowers? They're not just flowers, child. They're scarlet stems with the scent that soothes the nerves. Or so I was told many years ago by an Utaru seed tracker. An Utaru? Now you're telling stories. If one trespassed here back then, you'd have killed him on sight. I couldn't. Found him picking flowers. Right near here, in Tanakh territory. I was all set to strike him down, but he was singing. Singing? Can't remember the tune now. Just the lilt of his voice. And his name. Nilo. He decided to stay for a day or two. I took guard duty here so I could keep coming back to him. And he kept delaying his return to Plainsong. For the flowers, he said. Please don't tell me I'm descended from an Utaru gardener. Almost. Almost. But the thrill of battle called to me, and he had to return to his people. I've always wondered about the life I missed with him. Whether he misses it too. Would he welcome me in Plainsong? Or at least accept a scarlet stem? It's a long way to Plainsong. But I get back there now and then. I could pick some scarlet stems and bring them to Nilo, if I can find him. Please. He was an herbalist there. I know the time has long since passed. But I'd like to know. Well, I'd like him to know. You know what I mean. I think I do. Encouraging an old woman? Why would you do that? Why wouldn't I? On va jouer les cupidons auprès de vieilles personnes en fleurs, niveau 18. Let's go. Cueillir des carmines, on les cueille où? Là. La carmine corp. C'est où les carmines? C'est quoi les carmines? C'est ça? Aller à Mélopée. Voilà, j'en étais sûr. Commence à connaître le jeu. Commence à connaître le game. Boum. C'est loupé. Mélopée. Boum. Trouvons Nilo. Ça fait du bien d'aller donner des fleurs après avoir battu deux des ennemis les plus durs du jeu. Ah, mais il est où Nilo? Parlez à l'herboriste. Ah, c'est vraiment l'herboriste. Bien. On va faire ça, attendez. Donc j'y pense. J'en ai plein de la pâte explosive. Prendre? C'est juste que je peux pas en avoir plus de 15 sur moi. Ah, j'en ai plein. Ah, trop bien. Ok, c'est bon. Notre équipement est viable en fait. Herboriste, j'arrive. Par contre, t'es où? Il est si haut. C'est bien, c'est pas le truc le plus loin. C'est pas le mec le plus loin du jeu. Bonjour Nilo. Connais-tu une vieille femme?
What can I do for you? Nilo. You're the herbalist here, right? Are you Nilo? No, Nilo was before my time. I think he went up north a while back to Riverhim. Why? Do you need a special salve? No, but someone else does, in a way. Thanks. I'll try Riverhim. There's a grove there, a memorial, a beautiful greenery. If he's there, I bet he'll be tending it. Thanks again. Tout ça pour ne pas le trouver ici. OMG. Au revoir. I hope you find what you're looking for in Riverhim. Stranger, best go around. On va essayer de trouver, hein, quand il aime. Retourner au feu. El fuego de campo. Boum. Cantilène, au nord. Loup. Loup. Dieu bénisse la PS5 et ses temps de chargement de 5 secondes. Ouais, elle est en train de me faire mentir, ça va. I should look for Nero. Give him the scarlet stems. The herbalist in Plainsong said he might be near the memorial grove. Nero. Did she say Nero? Nero est mort, étonnant. Hi there. Nora, here. You're a long way from home. I suppose I am. I'm looking for an herbalist named Nilo. I think I heard you say his name. You've come to the right place. His seeds were buried here, where he tended the blooms of others, including my mother's. I'm his daughter, Gia. How long has he been gone? Some 5 years now. He put a lot of love into this grove. Almost as much as he gave me. That's why I could never abandon Riverhim. I'd like to leave some flowers, if I may, from an old friend of his. Scarlet stems. They're rare in these parts, but they were his favorite. I never knew why. He planted them whenever he could, but never picked them. Prefer to just watch them bloom. Sounds about right. So he was a good man who led a full life? He was. And he did. I don't know who this old friend is, but if my father liked them, they must be a good soul. Retournez voir la vieille dame pour lui dire ton amour de jeunesse, il est dead. Darika. Bon, c'est un peu une quête FedEx qui sert pas à grand chose dans le fond, mais bon, ça fait plaisir, c'est détente. Après les T-Rex, c'est détente. Boum. C'était loin. Ouais. Bon, du coup, ils vont pas m'aider pour le gros truc. Pour le long coup, ça va pas m'aider en fait. Je pense qu'on va gentiment se diriger vers Poseidon là. Après. Is my long vision over? You have word from my grandmother's gardener? Yes and no. I laid the scarlet stems at his grave. His favorite flower, according to his daughter. Always loved to watch them bloom. He's gone. But he did think of me over the years. That'll have to be enough. Really? That's it? Are you sure you got the right herbalist? Huh. Seemed like you thought it was a fool's errand. Well, it's just that it meant something to you. It could have been a whole other life. Could have been. But this life hasn't turned out so bad. Even have a granddaughter who cares enough to come looking for me out in the wilds. And I've still got scarlet stems to remind me of Nilo. Sounds like your grandmother's got it all figured out.
Maybe she does. Just tell me the next time you want to come out here, okay? Instead of disappearing? Maybe I will. Here, Outlander. Take this. For helping an old woman to remember she was once young. I'll have to find more machine sites to get the parts I need. Let's go! La quête des fleufleurs. On a fait énormément de quêtes. On va finir l'arbre de Trappers. On va mettre deux points là. On va mettre deux points là. Il me restera 2 et 2, il faut 4 points pour finir l'arbre de Trappers. Très bien, retournons au feu de camp qui est là-bas. J'ai juste vite fait retourner voir au village de... Ok, ouais. C'est un suprême ? Ouais. Je suis tellement pas allé le fumer. Je suis tellement pas y aller. Très bien, on va retourner vite fait voir à la lance ardente s'il n'y a pas de nouvelle quête. Et ce sera tout pour nous. Pour cette VOD YouTube. J'ai pas l'impression qu'il y ait de nouveaux trucs. Yara est tranquille. On a sauvé le gamin. Ça fait plaisir. Très bien. Et bien, on va commencer à avancer dans l'histoire. On va se déplacer vers le sud. On va commencer par ce feu de camp. On va peut-être aller fumer ce camp là pour finir d'ailleurs YouTube. On est à 46 minutes. En vrai, on va aller fumer ce camp. On va revenir là, faire ça, ça, ça. On va aller fumer le camp. Et on va gentiment s'acheminer vers le sud. Il y a un truc de rampant là, c'est bien. Je crois qu'on va faire ça. On va faire ça. On va aller au fauteuil. On va aller décimer le camp déjà. Du coup, on était bien à notre feu de mort là. On va continuer, enfin on va se diriger en direction de la quête principale et on va voir ce que ça donne. On va aller au sud. Bien envie d'aller fumer Michel mais la flemme. Un peu la flemme quand même. Profitons-en pour sauvegarder. J'aurais peut-être dû refabriquer tous mes trucs. De la boue explosive, j'en ai un peu en vrai. J'aurais peut-être dû tout refabriquer en vrai. Au prochain coffre, on refabriquera tout. Eh mais attendez, c'est chiant. La mère Michel, ouais. Raison la mère Michel. Non, mais c'est que j'ai un problème. J'appelle tous les PNJ, je les appelle Michel dans les jeux. Michel et Micheline. Du coup, c'est plus facile parce que je me souviens jamais des noms. Donc au moins, comme ça. C'est simple à retenir. Tous le même prénom. Pas bête, hein. Tu penses quoi de ma tenue rose, Horizon? Est-ce qu'elle a pas un peu de swag? Bon, on la voit pas trop. La tenue rose est pas mal. Je suis en RP Kirby, là. Et donc là, le camp. Incroyable. Où est le chef? Ça va, ça fait pas une rose pétasse. Ça va pas? Horizon. Le rose pétasse. Il a pété un câble, Horizon. Ça existe pas, le rose pétasse. Je suis quasiment sûr qu'à Conforama, il n'y a pas ça hein, dans les... Dans l'épouvantail de couleurs, là. L'éventail. J'ai dit épouvantail à la place d'éventail. Oh la vache. J'ai pas de vocabulaire. Il est où le champion rebelle? C'est toi, le boss? Ça a l'air d'être un champion, ça a l'air d'être le chef.
Non, il faut l'infiltrer. Ça va être un camp rebelle chelou. Je suis infiltré. Trouvez le chef du camp. Le rose bonbon. Ça dépend comment il est porté. Hein. Moi, j'aime bien le rose. Je vous avoue que j'aime bien le rose. Je trouve que c'est une jolie couleur. Voilà. Je suis un garçon et j'aime le rose. Vous trouvez pas ça de immonde ? Et prison. Le violet, super. Le violet, c'est joli. Oh, mais le violet, c'est un rose qui veut pas dire son nom. Le violet, c'est un peu un rose qui veut pas dire son nom. Ils sont level combien ? Ils sont level 20, c'est dur. We should hunt down that outlander. Regala would be pleased. Je sais pas si j'attends ou pas. Je vais attendre ici. Qu'il arrive. Après, je sais pas si c'est le chef. Il est marqué champion, il n'y a pas marqué chef. D'habitude, il est marqué chef, il me semble. Pour le chef des rebelles. We should spar later. Get some training in. You! D'où? Rien à voir du tout. Hein. Venez, je vous attends. Une icône de tête de mort normalement. Bah, il avait une petite icône de tête de mort, mais je suis pas sûr. Hein. OMG, la flèche. Voilà. Ok, c'était chiant. On peut rien faire, ils arrêtent pas de me taper. Bon, en vrai, c'était pas le chef. Elle a pas l'air d'être le chef, le monsieur. Lui, ça a l'air d'être le chef. Non, c'est juste qu'elle a récupéré l'arme. Arrête. C'est le problème d'être au milieu de l'arène avec mon truc. Je t'avais pas vu. Voilà, au moins il n'y a plus de... Bon, on va vider le camp du coup plutôt que de trouver le chef, ça ira plus vite. Oh, j'ai retrouvé des potions, trop bien. Je sais pas qu'elle allait mourir aussi vite. Vous savez, mais il est grand ce camp, faudrait monter. Par là. Vous pouvez arrêter de me balancer des flèches. C'est gênant.
sont déjà morts. Je fais tout le tour. Je peux pas faire tout le tour. Faire tout le tour par l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va, là? J'ai un peu envie de péter ça. J'ai un peu l'impression que ça... Il a vraiment fait ça? Il est trop fort. J'ai rien pu faire. Il y avait un bug de son sur les hits. Ok. Je peux remonter? Y a pas de chef. Y a pas de chef dans le camp. Comment on fait? Attends, bougez pas, je vous loot. J'ai un problème de son sur les hits. Le jeu a bugué, bougouillé. Allô? Je vais mourir parce que je reste là? Probablement. Qu'est-ce qu'il est à chier ce jeu sur les combats? Pardon, il faut le dire. Qu'est-ce que rien ne marche? Enfin, rien ne marche souvent. Autant il a plein de... Autant il a plein de qualités ce jeu. Et vraiment... Vraiment les combats, c'est pas sa qualité principale. Hein. J'ai des bugs de son. Je vais recharger le jeu, je pense, après. Toi, normalement, t'es mort. Voilà. Ah, y a les effets sonores, ils marchent pas. Mais qu'est-ce qui me touche ? C'est ça, non ? Ouais, c'est ça. Ah mais c'est un camp plus plus en fait. C'est bien parce que ça touche trop. Le jeu est vraiment trop bien au niveau des combats. Ça me plaît. Oh, ça rend ma boule hein. Ça rend vraiment ma boule hein. Vraiment. Je deviens ma boulito hein. McFly et Marboulito. Ok. OMG! J'ai détruit le chef apparemment, j'ai pas fait exprès. Donner les fils de Prométhée, ok, la ruche. On va faire ça. Les camps de bandits, c'est de la merde à côté. Avec les camps de bandits, dans le premier, c'était pas pareil. Non mais là c'est vraiment chiant. Mais bon c'est mon souci, c'est le problème de la difficulté max, elle est pas du tout équilibrée. Enfin elle est pas faite pour le jeu j'ai l'impression. No you don't quoi? Je donne ce que je veux. Ils sont où les ennemis en fait? Il reste un ennemi mais on sait pas où il est. Il est où l'ennemi qui m'emmerde? Ah, il est là. Il y a vraiment un bug de son. On entend plus le son des impacts. Parfait! Il reste des ennemis encore, je vais péter un câble. Oh, c'est pas grave, on va attendre qu'ils arrêtent de me chercher et on pourra fouiller tranquille. La 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 la.
Parfait. Examinons le parchemin. Map. It marks supply lines to different outposts. Rebels have been busy making weapons and armor. So I was right. This place makes weapons and armor and ships them out to their troops. I should destroy as many munitions as possible. That should hurt the rebels' operations. C'est quoi les caches d'armes? C'est quoi que vous appelez les caches d'armes? Armes et blindage. C'est ça que vous appelez les caches d'armes? Je peux péter? Moi je pète ça. Comme ça. Y'en a d'autres? Je sais pas à quoi ça ressemblait. Il y en a partout dans le camp. Good swing. Ah, elles sont là. Putain, il y en a vraiment de partout. Ah, c'est des bonbonnes acides. Ah, c'est long, hein. En vrai, c'est long, hein. You and me. Help! Now! Headshot. D'accord. C'est toujours plaisir de voir que le jeu ne connaît pas les frames d'invulnérabilité. Super. N'hésite pas à ne pas taper surtout. Il y a encore des gens ? Il est relou ce camp. C'est bon, c'est fini. Oh, y a un mec là-bas. T'es où? J'entends des flèches. Ah, toi. Ah, bro. Même dans le 1, il n'y a pas. Ça, il n'y a pas. Hein. Dans le 1, les camps de bandits, c'est vraiment juste des camps à vider. Il n'y a pas trop d'objectifs dans les camps. Des fois, là, tu tombes sur des camps objectifs. Du coup, c'est un peu différent. Ah, le bruit du débandage de l'arc. Le jeu a des bons songs. C'est bien foutu. Il est caché où, lui? Regardez, il est là. Comment il a fini par aller là? Par là. Il est dans la maison. Bon, c'est chiant. Donc moi, je vais y aller, en fait. Débrouillez-vous. Moi, je vais me barrer de ce camp. Parce que bon, il y a un mec, il est dans la maison, mais on sait pas trop comment. Ah, il est au-dessus, là. Il y a combien de mecs dans ce camp, hein? Vous êtes combien à travailler ici à mi-temps?
Il y a beaucoup trop d'intermittents du spectacle. Bon, le camp est fini, on se casse. Je vais aller par là. J'ai dit que j'allais aller là-bas. Je tombe de l'autre côté. Je mérite la haine de tout un peuple. Ah non, bah c'est bon. En vrai, non, parce que je veux aller là. C'est mieux. C'est mieux. Tout va bien. Se diriger vers le sud. Incroyable. Sauvegardons. Je suis pas assez loin du feu de camp, je peux pas. Je vais péter un câble. Le jeu veut pas parce que je suis pas assez loin. J'ai envie de tout péter. Si c'est ça, on va se diriger vers la quête. D'ailleurs, on va la mettre, la quête de besoin de savoir. On va parler à Talana, dans le camp Oseram. Petit soin. Bon, elle est au feu de camp. Va-t-on y arriver? Question que tout le monde se pose. Je pensais pas qu'il allait être aussi long ce camp de bandits, mais... Il y avait des quêtes secondaires. J'ai tué le chef, je savais même pas que c'était le chef. J'ai passé des choses, quoi. Sauvegarde! Des bisous, YouTube. On se retrouve pour la quête de Talana dans la prochaine vidéo. Au revoir.